Une différence entre Marc Lambario et nous, elle se situe au niveau de l'expérience. On voit bien qu'elles savent réciter leurs leçons, alors que nous, on est encore en apprentissage face à des équipes qui ont un niveau supérieur. Lorsqu'on joue des concurrents directs, on arrive à rivaliser et à faire durer les matchs. Et là, contre une équipe qui, je pense, participera au play-off, on voit qu'il y a une différence de niveau. C'est dur parce que c'était quand même un adversaire direct. On récolte rien du tout là ce soir. Donc clairement, dans les têtes, c'est compliqué. Et beaucoup de regrets. Pour ma part, en tout cas, beaucoup de regrets. Ouais. Sur le terrain, on démarre les 7, il y a déjà 4-0. Quoi. On commence à jouer, il y a 4-0 pour l'adversaire. Sauf qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre. On est en Pro A, la moindre erreur est fatale. Et ce soir, on fait trop de fautes bêtes. Avec Lisa en moins et Oni en moins, c'est surtout sur le poste de central où on a une rotation en moins. Et ce type de match-là, c'est difficile de ne pas pouvoir changer une centrale. Mais bon, on avait calqué un plan de match par rapport à ça, au fait qu'on ne puisse pas changer nos centrales avec plus d'utilisation de nos ailières, ce qu'on a fait. Bon, ça n'a pas marché parce qu'on a commis beaucoup de fautes techniques. Comme si on manquait de rythme, deux semaines qu'on n'a pas joué, alors peut-être qu'on a manqué de rythme pour aborder un match en jeu comme celui-là. Ouais. On a le niveau, c'est sûr, parce qu'il faut se regarder dans une glace, on sait tout jouer au volleyball. À un moment donné, on est contre des adversaires directs, on ne joue pas contre le haut de tableau. Là. Donc on sait tout jouer au volley. Donc oui, on peut, on a le niveau, on peut le faire. Maintenant, il faut se bouger. C'est, la solution, c'est nous. Il faut se poser des questions. Si chacune fait son taf, normalement, il n'y a pas de... Il ne faut pas chercher midi à 14h, on doit gagner ce match, hein, comme Saint-Raphaël, comme Paris. Être pessimiste, on a 2-3 semaines très compliquées, avec en plus le match du Canet qui vient de se greffer là mardi prochain. Psychologiquement, ça va être dur, physiquement, ça va être très dur. Maintenant, il va falloir relever la tête, on est quand même payé pour ça, c'est notre travail. À un moment donné, on a des choses à prouver, je pense. On a vraiment des choses à prouver, ça va être dur, on le sait. On est prévenus, on le sait. Nous, les anciennes, on a fait passer le message. On sait que cette période-là, c'est dur. Mais si on s'accroche, je pense que derrière, on peut ressortir plus fort, c'est sûr. Maintenant, il va falloir tenir, quoi.